Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session des formations dont voici le sommaire. Le premier ministre marocain qualifie les déclarations du secrétaire général du parti de l'Istiqlal d'irresponsables et affirme qu'elles n'expriment nullement la position du gouvernement marocain. Démarrage des travaux du premier colloque sur le contenu au niveau national et arabe de la toile web visant à en améliorer le contenu. La Ligue El Moustarbel des jeunes ingénieurs manifeste devant le siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott pour demander le recrutement de jeunes ingénieurs chômeurs. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session des formations. Le premier ministre marocain Abdellah Ben Kiran a qualifié les déclarations du secrétaire général du parti marocain de l'Istiqlal, Hamid Chabat, d'irresponsable, n'exprimant guère la position du roi, ni celle du gouvernement, ni les aspirations du peuple et ne concorde pas avec la diplomatie marocaine. Dans une déclaration faite au terme d'une rencontre avec le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, dans la ville de Zouerat, Ben Kiran a affirmé que les propos de Chabat sont loin de nuire aux relations entre les deux pays, Il rajoute qu'ils renforceront plutôt les liens. Plus de précisions dans ce reportage de Babacar Fall. En effet, le roi Mohamed VI s'était entretenu ce mardi au téléphone avec le président Mohamed Ould Abdelaziz et a réaffirmé son attachement à la relation de bon voisinage et de solidarité entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont exprimé à cette occasion leur détermination à préserver cette relation et le souverain marocain a rappelé à cette occasion que le Maroc reconnaissait l'intégrité territoriale de la Mauritanie. Pour rappel, notons que tout a commencé le 24 décembre quand le secrétaire général du parti de l'Istiqlal, parti historique de la lutte pour l'indépendance, Hamid Chabat, avait déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine, des propos vivement dénoncés à Nouakchott par le parti au pouvoir pour étouffer une possible crise diplomatique. Le ministère marocain des Affaires étrangères avait immédiatement condamné les déclaration irresponsable et dangereuse de Michel Chabat. Cet incident est intervenu alors que les relations se sont distendues ces dernières années entre les deux pays voisins. Des voix se font de plus en plus critiques au Maroc, en particulier sur la question du Sahara occidental. Des médias marocains accusent en effet Nouakchott de laisser les indépendantistes du Polisario circuler librement sur le territoire mauritanien. Le Maroc reste néanmoins animé d'une volonté sincère de développer ses relations avec la Mauritanie et de les hisser au niveau d'un partenariat stratégique. Selon le ministre marocain des Affaires étrangères, Mohamed VI a décidé de dépêcher à Nouakchott le chef du gouvernement Abdoulaye Ben Kiran et le ministre délégué aux Affaires étrangères Nasser Bourita qui sont effectivement arrivés ce mercredi en fait de dissiper tout malentendu qui pourrait avoir un impact négatif sur les excellentes relations entre les deux pays pour reprendre les termes d'un communiqué produit par le royaume chérifien ce mardi. Démarrage à Nouakchott des travaux de la première édition du colloque mauritanien sur le contenu Internet tant au niveau national qu'arabe. La rencontre vise à enrichir le contenu arabe à travers son amélioration à l'échelle nationale par le biais de la diffusion des sciences et des cultures sur Internet. Certaines statistiques révèlent que la langue arabe occupe la 16e place au niveau mondial en ce qui concerne le contenu publié sur Internet. La Ligue El Moustarbel des jeunes ingénieurs a manifesté devant le siège de l'Assemblée nationale pour demander l'offre de postes de travail aux ingénieurs en situation de chômage. La Ligue demande aux députés de poser leurs problèmes au sein de l'honorable Assemblée nationale et de demander au gouvernement mauritanien de trouver une solution en adéquation avec leurs hauts diplômes obtenus dans diverses universités. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi au siège de son parti, le président du Rassemblement des Forces démocratiques, Ahmed Ould Dada, a invité Mauritaniens et Marocains à gérer avec retenue et responsabilité les dernières frictions intervenues entre les deux pays suite aux propos du secrétaire général du parti Istiqlal. L'unité nationale, dit-il, a également été abordée par le président du RFD qui juge qu'elle est mise en danger par le pouvoir en place.
Ahmedou Dada estime que la Mauritanie doit être fière de sa diversité, qu'elle doit assumer pleinement et puissant sa force. Ouldada a enfin abordé la situation économique qu'il qualifie de catastrophique, prédisant une année 2017 particulièrement difficile à cause de la sécheresse. Ouldada lance un appel à l'endroit de la communauté internationale pour venir en aide aux populations mauritaniennes. Un résumé de Fofana Issa. Dès l'entame de son exposé, le dinosaure de la sphère de l'opposition radicale interpelle les chantres des concepts identitaires de tous bords, qu'ils soient du sud ou du nord, sur cette flagrante réalité à prendre en compte, la positiver plutôt que de se complaire dans l'apologie de la primauté, de la suprématie et de la suffisance creuse. Soit arabe ou négro ou mauritanien, il y a comme la force de cette diversité. Son rôle, le rôle qui peut être le sien dans la zone, peut être extraordinaire. La Mauritanie me fait souvent penser à l'œil. Dans l'œil, vous avez le blanc, vous avez le noir. Et si l'une des composantes de l'œil est atteinte, on perd la vue, partiellement ou totalement. La Mauritanie n'est pas nécessaire tellement pour elle-même et qu'elle doit vivre sa condition. Sa condition en termes démographiques, sa condition en termes géopolitiques et sa condition en termes spirituels. Il poursuit donc en illustrant avec le cas d'une contrée bien lointaine certes, mais si proche de la problématique. Le cas du Liban, c'est des Arabes les Libanais. Ils sont Arabes 100%. Et parmi les Arabes les plus cultivés, les plus anciennement installé sur une terre remarquable, qui est Cham, mais le fait qu'il y ait toutes sortes de religions, et des chrétiens, et des musulmans, et des druzes, je ne sais pas c'est quoi, c'est les druzes au point de vue religion, et chez les musulmans, vous avez les sunnites, vous avez les chiites, et je résume beaucoup. Et chez les chrétiens, vous avez les Grecs orthodoxes, vous avez les catholiques romains, vous avez les maronites, et j'en passe. Et cette diversité religieuse pose énormément de problèmes. Et pourtant, cette diversité plutôt riche, malheureusement, a exacerbé les tensions dans la région et occasionné bien des dommages durant des décennies, mais a fini par se tasser pour laisser la place à ce jour au bon sens et au bon ton. Autant donc moralité, autant donc commencer par là, surtout pour une Mauritanie qui n'a qu'une seule et même religion en partage. C'est encore plus facile. Il finit par mettre le doigt sur le volet économique, revenant tout d'abord sur la tentative de corruption du groupe Bolloré proposée au premier magistrat du pays qu'il a publiquement dénoncé face aux sénateurs. Ahmed Ouldada nous dit ici ce qu'il aurait fait s'il était Mohamed Oul Abdelaziz. Et je l'aurais lui remis à la justice. Parce qu'une tentative de corruption d'un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions, il y a d'éminents juristes, c'est très grave. Il se focalise ensuite sur le tableau de croissance pour lui peu reluisant que présente la Mauritanie en cette fin d'année. Les fastes, nous les avons gaspillés. Et aujourd'hui, les conditions des minerais que nous exploitons, notamment le fer, qui est notre grande ressource, ne sont pas les mêmes que celles qu'il y avait avant. Et donc, cette année est catastrophique dans toute la Mauritanie, sur le plan des pluies, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'élevage. Ce sont nos principales ressources. Et là, on ne sait même plus quelle est la situation de la pêche, qui est un secteur extrêmement important, comme chacun le sait. Et on ne sait plus qui fait quoi. Il a enfin, durant son intervention, tenu à souligner que l'opposition en général et le FNDU en particulier n'a jamais refusé de participer au dialogue, mais exigeait tout simplement qu'il soit sincère, sérieux, avant d'être inclusif comme le prônaient les initiateurs.
le programme national de lutte contre le tabagisme en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé a organisé un atelier de formation à Nouakchott sur les dangers de ce fléau ravageur emblématique des sociétés de consommation. Dans son allocution pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Ouldjieh, a affirmé que le tabagisme constitue l'un des principaux facteurs d'atteinte de maladies non contagieuses et un facteur de risque d'autres pathologies tout aussi dangereuses. Des milliers de Mauritaniens ont participé dans la Mourkata d'Arafat, dans la mosquée Oussama, au sud de Nouakchott, à une session sur le soutien au prophète, pays salut sur lui. À cette occasion, le président du centre de formation des Oulémas, cher Mohamed El Hassan Ouldedo, a affirmé que la sanction à l'encontre du coupable de blasphème au prophète n'est autre que la peine capitale, conformément à la loi divine portant un démenti formel à l'évitement de la mort par la repentance, compte rendu dans ce reportage de Mohamed Yahya Abdelwedoud. Des milliers de citoyens mauritaniens se sont rassemblés dans la mosquée Oussama Ben Zayed, dans la Mouqata'a d'Arafat, dans la wilaya de Nouakchott Sud, en réponse à l'appel de Cheikh Mohamed El Hassan Ouldedo en vue de l'organisation d'un sit-in de soutien au saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, au cours duquel l'érudit Ouldedo a affirmé que la mort du blasphémateur du saint prophète est une nécessité, quoi qu'il en soit, le retard de sa mise à mort étant exclu, ajoutant que le repentir ne saurait éviter une telle issue fatale. Les musulmans doivent prendre l'initiative, sortir de la jouissance des biens d'ici-bas, les biens de la vie ici-bas n'étant guère pérennes. Ils doivent prendre l'initiative afin de mettre en application la loi d'Allah, dont les sanctions sont fixées par Allah, le très juste. Combien de temps s'est écoulé alors que ce blasphémateur se trouve dans notre pays sans que la peine de mort ne soit appliquée à son encontre? Un délai s'est écoulé. Et ce délai n'aurait pas dû s'écouler. Celui qui blasphème le prophète, paix et salut sur lui, doit être tué le jour même. Il doit être tué avant le coucher du soleil. Et si les dirigeants sursoient à cela, la population doit procéder alors à des manifestations pacifiques afin de les pousser à exécuter la peine de mort à l'encontre du blasphémateur du prophète. L'avocat dirigeant le collectif de défense du Saint-Prophète a exposé pour sa part les péripéties du procès du blasphémateur, affirmant que les magistrats ont fait preuve de beaucoup de facilité au lieu de toute la sévérité requise au vu de l'étendue du crime commis. Si l'affaire avait été confiée à des magistrats occidentaux, ces derniers auraient agi conformément aux lois en vigueur. Or, celles-ci stipulent la mise à mort du blasphémateur du Saint-Prophète, paix et salut sur lui. Certains mentent de façon manifeste, prétendant que le procès était juste. Est-il juste de permettre, lors d'un procès lié à la drogue, aux mauvaises mœurs, de s'exprimer durant 2 à 4 heures, alors que nous, avocats, n'avons pu nous exprimer que pendant 5 minutes, rien que 5 minutes, alors qu'il s'agit de l'honneur du saint prophète? La littérature, aussi bien de langue arabe que Hassan, était présente lors de cette manifestation populaire, dans la mesure où des poètes émérites ont illustré toute la verve des grands orateurs quand il s'agit de défendre le prophète élu, El-Mustapha, paix et salut sur lui. Nous sacrifions notre vie, nos enfants, notre richesse pour toi, ô messager d'Allah. Nous sommes une armée, un rempart autour de toi, contre le dévoiement, par tous les moyens en notre pouvoir. Nous défendons l'islam, nous enseignons gratuitement les préceptes de la religion, nous leur apprenons l'illicite et l'illicite, et transmettons la sunna du maître de l'humanité, Mohamed, paix et salut sur lui. Aux amoureux des transports qui les exaltent et aux révélations des gens à leur mesure. Lorsque toi, prophète Mohamed, tu es venu sur terre, celle-ci a tremblé. Par amour pour toi, des nuages purificateurs l'ont couverte. La place attenante au centre de formation des oulémas a été le point de convergence de nombreuses foules populaires venues de tous les coins de la ville de Nouakchott pour marquer de leur présence les meetings populaires visant à soutenir le saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, sous le thème « Je sacrifie mon père et ma mère, ô messager d'Allah ». On prit part à cette manifestation de nombreux oulémas, imams, lettrés, poètes, intellectuels, disciples et simples citoyens mauritaniens.
Le président gambien, nouvellement élu, Adama Barrow, a annoncé la formation d'une équipe d'experts pour la formulation d'un plan de développement qui sera présenté à l'occasion de son investiture en tant que président de la République de Gambie le 19 janvier prochain. Cette annonce intervient au moment où les Gambiens attendent le prononcé du jugement de la Cour suprême au sujet de recours présenté par le parti au pouvoir et dans un contexte marqué par l'entêtement du président sortant, Yahya Jammeh, à s'accrocher au pouvoir dans l'attente de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Des médias palestiniens ont révélé l'existence d'un réseau souterrain de tunnels que des sociétés israéliennes creusent sous la Sainte Mosquée d'El-Aqsa. Ce réseau s'étend de la localité de Selouane au sud jusqu'à la mosquée d'El-Aqsa au nord et précisément l'encoignure sud-ouest. Ces travaux ont provoqué des dommages considérables à l'édifice de la Sainte Mosquée, en plus des maisons de l'ancienne ville d'El-Quds. Un reportage de Mamadou Ba. Le site électronique palestinien Dail 48 a établi un rapport documenté qui révèle les détails du creusement d'un tunnel par l'occupation sioniste sous le sol de la Sainte Mosquée de l'Aqsa. Le souterrain s'étend depuis le centre de la localité de Selouane au sud jusqu'à environ de la Sainte Mosquée de l'Aqsa au nord, pour aboutir sous la mosquée au-dessus de son coignure sud-ouest, sous la porte des Maghrébins. Là divergent plusieurs tunnels de part et d'autre qui demeurent encore fermés et secrets, aucune information de concernant n'ayant fuite à ce jour. Par la voix de Miri Rijev, ministre de l'Éducation et des Sports, en sa qualité de ministre en charge de tout ce qui concerne les cultes et les cérémonies officielles, le gouvernement a annoncé que l'ouverture officielle du tunnel sera effectuée lors de la fête de Lumière, pour constituer le coup d'envoi des festivités de Jubilé d'or, marquant le 50e anniversaire du parachèvement de l'occupation d'El-Quds et d'El-Aqsa. Le réseau de tunnels et de fouilles indique la présence d'une ville souterraine juive dans les entrailles de la terre parvenue à travers le tunnel de Selouane, des palais Omeyyades et de la place d'El Bourak du mont des Maghrébines, et passant par l'ancienne ville jusqu'à la mosquée Mourouadite, ce qui constitue une menace évidente pour les fondations des mosquées de l'Aqsa, suite au constat des fissures de ces remparts et murailles du côte ouest. Les fouilles se poursuivent à Ain Selouane et au niveau de l'endroit dit ville de David, préambule à la mise en place des hôtels du temple vu le raccordement à trois tunnels qui aboutiront au palais Oumayyade, à la place d'El Bourag et à la mosquée de l'Aqsa, pour la répartition de celle-ci entre musulmans et juifs, en prévision à la construction et prétendu troisième temple juif. Les fouilles sont au taureau propice au ressurgissement des traces casserie envers les Palestiniens et permettre d'empêcher toute expansion et toute urbanisation, les poussant à l'exil forcé. Le réseau de tunnels est la ville souterraine qui a été érigée dans les entrailles de la terre visant à en rendre la manisse Israël et sur l'esplanade de la mosquée de l'Aqsa. Du moment que ces tunnels ont atteint la mosquée Marwanide, ce travaux financiers par les dizaines de fonds sionistes sont au moyen de confiscation du maximum de surface de terrain à Zoudaïs et à colonialiser. Concomitamment à tout cela, les sionistes ont procédé à des opérations d'exil forcé, d'opérations ethniques envers les Palestiniens d'El-Quds, les Maqdassiens qui se soient empêchés d'effectuer la réfection, la restauration et la remise à neuf à la reconstruction de leurs propriétés menacées de ruines en raison de fouilles ainsi faites à leur usure et sans leur consentement, particulièrement au niveau de l'ancienne ville et de Selouane, où des dizaines de maisons sont ciblées par des procédures de démolition. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le premier ministre marocain qualifie les déclarations du secrétaire général du parti de l'Istiqlal d'irresponsables et affirme qu'elles n'expriment nullement la position du gouvernement marocain.
Démarrage des travaux du premier colloque sur le contenu au niveau national et arabe de la toile web visant à en améliorer le contenu. La Ligue El Moustarbès des jeunes ingénieurs manifeste devant le siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott pour demander le recrutement de jeunes ingénieurs chômeurs. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran.